Bonjour Ludivine. Bonjour Paul, on va s'amuser avec des petites activités de coordination sur plateau qu'on peut faire bien sûr aussi sans plateau d'équilibre, hein, en étant bien stable au sol, mais ça rajoute un petit peu de piment. On peut utiliser le plateau d'équilibre sur ce versant gauche-droite ou avant-arrière, toujours comme Ou avant-arrière. d'habitude. Ok. Alors, on va commencer par aller toucher une épaule avec sa main opposée et le coude. Ça, c'est le mouvement de départ. Et puis après, on va changer de côté. Donc là, à chaque fois, je ramène les bras ballants un petit peu derrière, mais on peut aussi enchaîner de cette manière-là. Tout ce qui est faisable, réalisable les yeux ouverts, pourrait être réalisable les yeux fermés si on sent l'élan de relever le défi. Ok. Donc ça, c'est un premier mouvement qui est assez rigolo. Deuxième mouvement, on va toucher sa tête et son oreille de l'autre côté. Tête et oreille. Et on change. Tête et oreille. Tête et oreille. Alors, on peut aller tourner la tête, là tout à l'heure je ne l'ai pas fait pour la version de l'épaule et du coude, mais on peut aller tourner en même temps la tête d'un côté et de l'autre. Ou Alors, soit tu tournes la tête du côté où tu tiens ton épaule, ou soit tu mets la tête à l'opposé du côté où tu tiens ton épaule. Alors, dans le même registre, sur la ligne médiane, le nez et l'oreille d'un côté. Nez et oreille, nez et oreille, nez et oreille. Alors effectivement, quand on est à l'aise dans une des dimensions, on peut aller tester une autre. Ok. Moi, tu vois, je suis au défi avec ce plateau d'équilibre-là. Et tu veux le mien? Il est plus dur pour moi, en tout cas. Ok, nez et oreille. Un peut-être un petit peu plus facile, sommet de la tête et dos. Avant-arrière. Avant-arrière Et au bas, gauche-droite, les yeux ouais. ouverts, les yeux fermés. Tête en rotation du côté du bras qui est sur la tête. Wow. Ou tête en rotation du côté du bras qui est dans le dos. Alors, varier les rythmes. Ces petites activités-là, elles sont intéressantes de donner soit quand l'enfant ou la personne est à l'aise, de les faire en autonomie et la personne peut varier les rythmes, les cadences, etc. Ou aussi de demander à ce que ce soit exécuté sur commande. Hein, donc je donne une consigne, dis mets ta main sur ta tête, mets l'autre main derrière ton dos et je vais dire change. D'accord. Change. Voilà, et D'accord. pareil pour les autres D'accord. activités. Donc il y a plusieurs manières de Okay. mener les séances Et puis je par exemple. pourrais être assis sur le plateau. Bien sûr, tout ce qu'on vient de faire là, ça peut être fait assis sur le plateau, ce sera un petit peu plus facile. Ah, c'est un peu plus Un facile peu plus assis. facile Ok. assis sur le plateau. Voilà. Petit enchaînement où on peut demander à la personne de poser les mains à différents endroits de son corps. Ouais. Donc main au genou, main aux hanches, main au coude, main au dos, main aux épaules, main aux yeux, main aux oreilles, main sur la tête. Et on redescend les oreilles, les yeux, les épaules, les coudes, le dos, les hanches, les genoux. Là, je suis allée un petit peu vite, on peut le temps D'accord. de se repérer dans les différentes parties du corps. Voilà, on peut avoir main aux genoux. Déjà, il faut du temps pour que la personne puisse s'équilibrer un petit peu dans cette position. Main aux hanches. Trouve son équilibre dans cette position. Main dans le dos. Main au coude, main aux épaules, on sort ses grandes ailes, on cache ses yeux, on ouvre grand ses oreilles, et main sur la tête, soit comme ça, on peut empiler nos mains aussi. Et on redescend, et dans la redescente, je peux demander à l'enfant de nommer les parties du corps, Tête, éventuellement. oreille, les yeux, les épaules, les coudes, le dos, les hanches, les genoux. Voilà,
et puis bah, ce que j'invite à faire, c'est de jouer avec ça, quoi, de mm-hmm. diversifier, de demander où est-ce qu'on pourrait toucher dans notre corps encore, et puis d'inventer des combinaisons de mouvements avec les gens pour que ce soit fun et que ce soit pas toujours vous qui soyez en train de donner des ordres de là où il faut mm-hmm. toucher. Donc après, on échange. Je dis à la personne, voilà, maintenant c'est toi qui guide et qui m'indique la combinaison qu'on va faire ensemble maintenant, la combinaison de zones contactées qu'on va faire maintenant. On peut rajouter un petit côté fun en utilisant ce que Perrine Henri Daulnois m'avait enseigné dans le cours Neuroludo, ce qu'elle appelle les percussions corporelles. Ouais. On peut les faire, bien sûr, en dehors du plateau, mais sur plateau, ça rajoute, pour les enfants qui ont besoin encore d'un peu plus de défis, ça rajoute un côté fun. C'est qu'on va déjà pouvoir se dire qu'est-ce qu'on peut faire comme bruit avec notre corps. Donc on peut faire des tapes, on peut faire des claps ici. On peut taper ici, on peut se servir du plateau pour taper ici. Voilà, on peut taper sur nos cuisses, on peut faire des bruits avec nos joues. Donc on peut, voilà, alors il n'y a pas forcément quelque chose qu'on peut faire résonner ici sur notre cage thoracique. Et on peut faire un petit enchaînement comme ça. On va faire les deux côtés en même temps. Ok. Hop. Table de multiplication, déjà je ne sais pas sans les mouvements. Bon, beaucoup d'enfants ils aiment bien faire la course après, aller le plus vite possible, c'est une possibilité. Et moi j'ai tendance à leur demander aussi après d'aller le plus lentement possible. D'accord. Donc là on a fait les deux côtés à la fois. Oui, en homologue. On peut s'amuser à faire un côté après l'autre. Donc toujours on va garder le même enchaînement ici, mais on pourrait évidemment varier. Un côté, l'autre côté. Voilà, vous avez compris l'idée. Ouais. Là, on a commencé par un côté, on pourrait commencer par l'autre côté. Et puis, on peut faire le rectangle. Le rectangle. Le rectangle, bah, on va passer d'un côté à l'autre. Donc, on démarre en bas. Sur tout un hémicorps d'abord. Merde, c'est le jeu, je ne trompe pas. Et on repasse de l'autre côté. On fait vraiment notre rectangle. Tout et ça. Voilà, à chaque fois. Je l'ai rajouté pour la caméra. Et mon corps ne l'a pas mémorisé. On peut tourner de l'autre côté, partir de l'autre sens, ouais. Voilà. Ok. Ça suffit. Super. Ah bah c'est bon ça. C'est des exercices de coordination sur plateau. Ouais. Donc, encore une fois, je répète, soit assis, soit debout. Soit sur le plateau qui bascule avant, arrière ou gauche, droite. Ouais. Les yeux ouverts, les yeux fermés. Avec les yeux ouverts, les yeux fermés, oui. Sur planche plate, plus difficile, sur planche inclinée d'un côté. Ah, tu veux dire que je ferai tout. Sur planche de l'autre côté. Mais inclinée. Alors, pas forcément les percussions corporelles qu'on vient de faire, parce que se mobiliser en bas, etc., c'est un peu difficile. Mais au moins les activités qu'on a fait au début. Comme ça. Voilà. Voilà, okay. celle-là. Ça peut incliné être. D'un côté, incliné de l'autre côté, devant, derrière, etc. Voilà. Merci Ludivine. Ouais.